question. Qu'est-ce que vous en pensez, pensez par rapport au concert, quel était, voilà, d'accord. Au niveau de la qualité, c'était impressionnant, surtout les contrastes, avec les mouvements, on va dire, très... avec beaucoup d'émotion, et les moments plus calmes, un petit peu plus en pointillé. Moi, j'ai bien aimé ça. Enfin, j'ai bien aimé les contrastes, quand il y avait beaucoup d'instruments, avec le piano surtout, j'ai beaucoup aimé. On entendait bien le piano, c'était... Le piano, c'était magique, hein. C'était super. Et puis le rythme est bien tout, en fait, il calme. Puis la violoniste qui s'arrête pas de jouer, ça nous accroche tout le long. C'est impressionnant. Il y avait troisième partie. Oui. Une bien partie, c'est très différent. On a beaucoup aimé la première partie parce que ça faisait un petit peu médiéval. Ça faisait, ça changeait beaucoup de la musique classique, on va dire traditionnelle. Et j'ai beaucoup aimé, personnellement, j'ai beaucoup aimé la dernière partie aussi, parce que justement, il y avait les violons, le violoncelle et le piano à l'arrière. C'était transporté. C'était vraiment... On décrochait pas. Vu que la violoncelliste ne décrochait pas, on suivait la dernière partie, on était obligé de rester à attendre la suite et ça ne s'arrêtait pas. C'était captivant. Ouais. On avait envie d'applaudir plus souvent. C'est frustrant de ne pas applaudir.